Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce deuxième vlog de concert, et pas n'importe lequel. Le samedi 22 octobre, j'ai pu assister au Big Steppers Tour de Kendrick Lamar à la Corotel Arena, c'était un truc de fou. Comme pour le concert de Tyler, je vous ai filmé tout mon périple de ce week-end iconique, d'ailleurs je me suis rendu compte que j'adorais faire ce format de vidéo. J'espère que cette vidéo pourra retransmettre au maximum l'expérience qu'on a vécue sur place, parce que c'était vraiment quelque chose d'assez grandiose. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs vidéos du concert, vous avez été beaucoup, genre vraiment beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à recevoir autant de vidéos, du coup, bah j'ai pas pu utiliser les vidéos de tout le monde, donc si jamais vous n'apparaissez pas dans la vidéo, bah je m'en excuse. Je vous souhaite un bon visionnage en espérant que la vidéo vous plaise et on se retrouve juste après. C'est parti. Salut. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super puisque dans deux jours je serai littéralement en face de Kendrick Lamar. Il sera à peu près là. Comme ça. Peut-être plus près en vrai. Alors où j'enregistre cette partie, nous sommes le jeudi 20 octobre, donc deux jours avant le concert de Kendrick Lamar. Je suis en train de préparer mes affaires puisque demain soir je prends le train direction Paris pour être prêt à faire la queue le samedi matin pour le concert. Je déteste faire des sacs, j'ai l'impression que je vais tout oublier, donc je prends 15 000 trucs dont je vais absolument pas me servir. Alors, en vrai, ce week-end est quand même plutôt quali, entre l'album de Taylor Swift et le concert de Kendrick, je pense que je mange plutôt bien. Voilà, donc je vais finir de faire mon sac, comme ça ce sera fait, puis après ça va dormir fort. Hein. Et nous on se retrouve dès demain pour la suite, en fait le début des aventures. Le week-end s'annonce très intense d'ailleurs. Ok, je viens de finir le boulot, direction la gare. Pour prendre le train direction Paris, mon train est dans une petite heure, vraiment tout se passe comme il faut. Je suis là avec mon grand sac de voyage, ça part, ça c'est les provinciaux qui montent à la capitale, ça c'est obligé de prendre des grosses valises parce qu'on peut pas rester qu'une journée. Alors je commence à être vraiment bien hype pour le concert, alors c'est pas que j'étais pas hype avant, mais surtout que au niveau de l'organisation je me suis un peu dessus et tout, j'étais en mode, ça se trouve je vais mourir là-bas parce que j'ai vu des vidéos et ça a l'air vraiment intense. Mais là ça y est, à moins de 24 heures, franchement la hype est très présente. En plus, c'est vraiment un gros événement. Retransmission sur Prime Video, 10e anniversaire de Good King Mad City, anniversaire de Baby King, rien que ça. Bref, je vous laisse, je me rends à la gare, je vais pouvoir enfin écouter le nouvel homme de Taylor Swift. Et ça fait très plaisir. Dans le wagon où j'avais ma place et du coup on a dû bouger et je suis en première classe. Espérons pour que je reste le trajet ici. Ok, complètement bien arrivé à Paris. Il est giga tard, je suis très fatigué. Je me dirige actuellement vers mon logis pour ce soir et j'aimerais qu'on remercie tous ensemble Enzo qui m'a laissé les clés de son appartement, donc moi il faut que je le trouve. Mais voilà, une petite photo d'Enzo juste ici. Merci beaucoup à toi parce que tu mets très très bien. L'album de Taylor Swift est incroyable d'ailleurs, je pense que c'est important de le dire. Je suis où là? Attendez, on me voit presque pas, je suis dans une ruelle. Mais alors giga oppressante. Mais regarde-moi ça. Et je suis pas bien là. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai faim. Bon, là, faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans le train en fait, parce que c'est pas passé comme prévu. Donc, je monte dans le train, j'avais ma place marquée sur mon billet comme d'habitude. Sauf que j'arrive dans ma rame et ma rame en fait était barricadée par deux sortes de fils en mode faut pas s'asseoir là. Donc, j'étais en mode bah nickel, mais j'ai pas de place. Et du coup, là, il y a un responsable qui arrive qui nous dit qu'il faut qu'on bouge parce qu'en fait, cette partie là était en travaux, je sais pas trop quoi. Donc, fallait qu'on change carrément de rame. Donc, tout le monde commence à se barrer. Moi, j'arrive à me trouver une place en première classe. Je me dis bah là, que la situation, je pense pas qu'ils puissent me reprocher de prendre un siège ici parce qu'il y en a pas d'autres de disponibles. Il y a des gens qui descendent, il y en a qui montent, etc. Il y a quasiment personne qui vit en première classe, personne sauf une personne, et là je me dis quelle est la probabilité pour que cette unique personne ait le siège que j'ai parmi les 20 autres sièges qu'il y a autour. Bon bah vous en doutez, c'était bien mon siège qu'elle avait réservé, donc j'ai fini le trajet assis dans les escaliers du train, ça fait plaisir. Ah oui, aussi important de noter, ils nous ont donné la raison de pourquoi la rame était fermée de base. Apparemment ils ont eu un accident avec des moutons. Ouais. Et apparemment les moutons en question auraient cassé la vitre. J'ai réfléchi, mais j'ai pas compris comment c'était possible. Bref, là, je me fais à manger parce qu'il est 23h15 et je n'ai toujours pas mangé, donc je crève la dalle. Ensuite, petite douche, puis je vais peut-être finir le montage de la vidéo qui sort dans deux jours, ce serait pas mal ça. Et après, bah, ça va aller se coucher parce que demain, grosse journée. J'ai très très hâte. Donc voilà, des bisous.
Bon, ça y est, nous y sommes. Nous sommes le samedi 22 octobre, le jour J du concert de Kendrick Lamar. Alors, c'est drôle puisque j'ai fait mon tout premier concert en allant voir Kendrick Lamar en 2018 pour le Dame Tour. J'étais allé avec mon petit frère pour qui c'était aussi le premier concert et il me rejoint aujourd'hui, donc ça va être assez nostalgique en fait. Et j'ai hâte de voir comment je vais vivre ce concert-là, puisqu'en fait, en 2018, j'avais été vachement déçu du concert de Kendrick Lamar. Mais en fait, je sais pas trop me situer parce qu'il s'agissait de mon tout premier concert, donc j'avais aussi beaucoup d'attentes, je savais pas vraiment comment les concerts se passaient. Pour moi, dans ma tête, ça durait 4 heures. Donc, forcément, quand Kendrick est parti au bout d'1h20, j'ai pas compris. En plus de ça, j'étais en gradin, donc bref, j'étais pas dans les conditions optimales pour vivre un concert, grosse ambiance et tout. Bref, j'ai fini de me préparer, je prends mes affaires, et après c'est parti, direction la Cour Hôtel Arena pour commencer à faire la queue. J'espère y être vers 11h et quelques, ce serait pas mal. Donc c'est parti. Ok, on est parti. Let's go, il fait super beau, ça fait plaisir de fou. Moi je pensais qu'il allait pleuvoir. C'est parti pour une petite heure de transport en commun. C'est trop chouette la vie parisienne, waouh. On se retrouve directement à la Cour Hôtel Arena pour cette longue journée, c'est parti. Ok, on est bien dans la fosse là, avec Caro, ça m'est très bien. Petit repas parce que là on commence à avoir un peu faim. C'est très bizarre parce que la vraie queue est pas encore ouverte, genre on est littéralement par terre. Et voilà, on attend encore un petit peu, mais on risque d'être très fortement front row. Caro, un petit mot pour le concert? J'ai très hâte, vraiment. Elle a très hâte, vraiment. Donc let's go. Et là on était parti pour 7-8 heures d'attente parce que oui, un front row, bah, ça se mérite, mais visiblement pas pour le groupe de 10 personnes qui a décidé de doubler tout le monde à l'ouverture des portes. Ce n'est pas le sujet. Coup de bol, il faisait vraiment beau, j'ai pu discuter avec certains et certaines d'entre vous, ça m'a fait trop plaisir de voir en vrai. Alors seul petit problème, c'est qu'il avait plu la veille, on était sur un sol en terre, du coup impossible de s'asseoir par terre. Mais ça a quand même donné naissance à des techniques assez originales pour se reposer un peu. Vers 16h, ça commence à bouger parce qu'il y a la vraie file d'attente qui ouvre, du coup on commence à se diriger vers la Cour Hôtel Arena. Première étape passée, nous arrivons à la Cour Hôtel Arena, on finit la queue, ça rentre directement. On sera tout devant. On est très contents. Ça fait plaisir. Donc Maëlys, je disais, oui, qui a un podcast sur plein de trucs en fait. Podcast, il s'appelle Creative avec un H, parce que jeu de mots, voilà. Très bien, très bon jeu. J'interview des gens qui travaillent dans les créatives. Et voilà. Très bien. Et bien allez écouter ça parce que c'est très très chouette. Et comme ça vous avez progressé en anglais. Et c'est génial. C'est parti. Heureusement là-bas le sol nous permettait de nous asseoir par terre, ce qui était très cool parce qu'il nous restait quand même 2h30 d'attente. Il est 5h, on est en plein soleil là. Petite sieste au calme. Non, il reste une petite heure d'attente avant qu'on rentre dans la salle. On est très bien, on est posé au soleil, j'ai très envie de pisser. Donc ça va tenter un go fast toilette avant de rejoindre la fosse. Et voilà. 18h30, ouverture des portes, on fonce direct dans la fosse pour prendre nos places et nous sommes officiellement front row, mission réussie. Alors là du coup c'est pas un front row comme celui de Tyler qui était juste sur une scène principale, donc quand t'étais à la barrière t'étais forcément devant dans toutes les situations. Là pour vous expliquer vite fait, il y avait 3 scènes, donc il y avait une scène principale, un premier carré, un chemin et un dernier carré, moi j'étais en face du dernier carré. Ce qui fait que quand Kendrick était sur ce dernier carré, bah techniquement j'étais front row parce qu'il était tout devant moi. Par contre quand il était sur la scène principale, bah il était quand même relativement loin, il y avait quand même beaucoup de gens dans mon champ de vision, donc voilà, j'ai eu des expériences un peu mélangées. La salle se remplit doucement, il doit être genre 19h45 et j'entends des gens crier dans le fond de la salle, je comprends pas trop pourquoi, puis bah d'un coup les lumières s'éteignent parce que c'est le moment pour Tana Leon de faire sa première partie. Tana Leon avait vraiment une super bonne énergie sur scène, il avait des sons hyper efficaces à performer, moi je me suis régalé pendant Here We Go Again. Le set était vachement rapide, ça a duré environ 15 minutes, mais je trouve que ça a suffi pour vraiment commencer à chauffer la salle. Puis bon, c'était pas la seule première partie, donc ça allait. Bon, avant que Tana Leon arrive, je vous parlais de personnes qui s'étaient mis à crier dans le fond de la salle, et ça a recommencé une fois que la partie Tana Leon était finie. Je commençais à me dire, bon, il se passe quoi? Je prends mon téléphone et je commence à filmer dans la direction. Je commence à zoomer, à chercher pourquoi les gens commencent à crier. Bah, j'ai vite compris, en fait, il y avait littéralement Kid Cudi au niveau de la régie. Non, pas grand chose à rajouter en vrai. On se calme un petit peu, mais surtout, on commence à se préparer puisque Baby Kim allait monter sur scène et on savait que ça allait être intense. Et autant sur les vidéos de Kendrick Lamar, vous verrez, j'ai fait un effort pour pas hurler dans le micro de mon téléphone pour pas que les vidéos soient horribles, autant Baby Kim, j'avoue, j'ai un peu perdu le contrôle. Je m'excuse. Girl.
get the drama, skid up. Swimming through lanes, I am limitless. And for the ones that I should free up, I start to question what freedom is. Saying to the down keepers, the sound slappers, the self sorters, the harmony ushers. Even if you are not ready for the day, it cannot always be not. It's a new one, world sees on my mind. It's a new sight. It's a still outside, still outside. Honnêtement, je peux pas rêver mieux que Baby Kim pour faire une première partie d'un concert hip-hop. Vraiment, ça motive trop les gens, il a trop des sons incroyables et il a surtout une énergie de fou. En plus, le public était hyper réceptif et connaissait tous ses sons, donc ça faisait vraiment plaisir à entendre. Bon, moi j'ai juste un petit problème avec mon voisin de droite, le poteau mesurait 2 mètres, c'était genre une armoire. Ce qui fait que pour voir la scène principale, bah je devais me plier sur les barrières, regarder à travers mon téléphone, sinon je voyais absolument rien. Mais ça, vous me direz, c'est la dure loi de la fosse, premier arrivé, premier servi. Bon, visiblement pas pour le groupe de personnes qui a doublé. Ok, j'arrête. Mais le vrai problème dans tout ça, c'était pas vraiment sa taille, c'était juste le fait que le gars ne bougeait pas. Honnêtement, tu m'aurais mis un câble fixe, j'aurais pas vu la différence. Hein. Trademark USA, Mosh Pit, Praise God. Immobile, il n'a pas bougé, même les gens en gradin bougeaient plus que lui, c'est pour vous dire. Bref, j'étais vraiment impressionné de la performance de Baby Kim sur scène, en plus j'avais raté son concert au mois de juin, donc là j'étais refait. Et là on était reparti pour 30 minutes d'attente avant l'arrivée du roi. 21h30, début du concert, la Corotel Arena entre littéralement en ébullition.
What is a bitch in a mini skirt? A man in this business will get in there. What is a woman in a really hurt? A demon, you better not kill it then. The demon pretending religion is. I wake in the morning, another appointment. I hope the psychologist listens in. Comfort zone for over 1,855 days. You had to get out eventually. And I don't know. Et dès les premières secondes du concert, c'était fou. J'étais très surpris de voir que tout le monde connaissait genre toutes les paroles, mais pas en mode juste les paroles du refrain de N95. Vraiment, il y a des gens, j'ai vu, c'était le couplet entier de United in Grief, ça fait trop plaisir. Et dès l'intro du concert, Kendrick Lamar pose les bases, il compte bien donner vie à Mr. Moral and the Big Steppers. If I gotta go hard, I'm a bitch, I'ma make a lip sexy. The minute gone, playing baby shark with my dollar. Watching for sharks outside at the same time. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il y avait un vrai travail sur la setlist parce que le concert essaie de petit à petit nous tisser un fil rouge pour nous raconter une histoire. Pour moi, le meilleur exemple, c'est le choix d'avoir performé Worldwide Stepper, qui est un son qui est pas du tout fait pour la scène, mais qui est un son qui est hyper important pour l'histoire de l'album et donc du coup pour l'histoire du concert. Mais on se penchera sur les détails un petit peu plus tard, revenons au concert et pas avec n'importe quel morceau. With some candles.
cette partie du show est pas du tout celle que j'ai préférée. Non pas que je n'aime pas les musiques, c'est juste que je ne voyais absolument rien à ce moment-là. Tout ça en plus d'être en full état de souffrance. Parce que oui, la fosse c'est chouette, tu respires bien, t'as une bonne vue. Par contre, quand ça pousse, on t'écrase les hanches sur la barrière, ça fait très mal. Mais heureusement, on a pu souffler avec l'arrivée de mon morceau préféré du dernier album. Everything the four was that taught me, my hand is buried deep. Tennis we learned together, so I knew whatever daddy I don't want to wake up, I'm spiked to sit on the tellement heureux de vivre ce son en live, genre ça crée des grands daddy issues alors que mes relations avec mon père se passent très très bien. Ah oui, quand je disais qu'on avait le temps de souffler, c'était vraiment le temps d'un son, hein, parce qu'après ça enchaîne avec ça. Et là, nous arrivons à la première déception du concert. We Cry Together était une interlude et pas un son complet. Non, je sais, c'est dur. On a quand même eu le droit au refrain mythique. You know what? Fuck you, bitch. Fuck you, nigga. Nah. Ah oui, d'ailleurs, petit aparté, j'ai trouvé le public vachement à l'aise avec l'utilisation du N-word, ça avait pas trop l'air de poser problème. Et je vous parle pas de N-word en milieu de phrase, en mode je parle pas bien anglais, j'ai pas fait exprès. Non, là on parle de N-word qui sont isolés dans une chanson où il y a littéralement que ce mot-là. Mais non, apparemment c'était pas, pas un problème. Bref, le concert enchaîne avec Purple Hearts. Alors là, c'était vraiment un très très gros enchaînement. Swimming Pool, ça a été vraiment l'un de mes moments préférés du concert parce que c'est sur ce morceau qu'on se rendait vraiment compte de la puissance du public. Même sur Amazon Prime où le son du public a été vachement diminué, pour le coup, on entend quasiment que ça. Arrive alors mon deuxième titre préféré de Mr. Moral, qui commencera d'ailleurs quand j'ai la caméra d'Amazon en plein dans mon champ de vision, genre. Tim. You know,
Seems you forgot who you are. Do you need a reminder before we continue? J'étais hyper surpris que Lust fasse partie de la setlist, mais je trouve que le son a été trop bien mis en avant avec les effets d'ombrage et de projection qu'il y avait derrière. Évidemment, de mon côté, c'était un perfect sur DNA, j'ai failli m'évanouir tellement j'avais plus de souffle. Et là va commencer la deuxième grosse moitié du concert. Et autant l'enchaînement jusqu'ici était quand même plutôt mythique, autant là, ce qui va arriver sur la deuxième partie, bon, ça dépasse l'entendement. D'autant plus que c'est sur cette partie que Kendrick se déplace vraiment et vient sur la scène juste en face de moi. Session 2. Breakthrough. One of these lines I'ma make things right with the wrongs I done. That's when you now with the father, son, too, didn't I fight? I didn't know she didn't survive. And then my strong voice couldn't survive. If I didn't learn to love myself, forgive myself, I'm having a time. I love when you count me out. I love when you count me out. I love when you count me out. Juste après, petite pause, et il y a un cube avec des parois en plastique qui commence à descendre sur la scène qui était juste devant moi. En même temps, il y a 4 personnes habillées en sorte de scientifiques qui rejoignent l'intérieur de ce cube. Et là, honnêtement, se passe l'un de mes top 3 moments préférés du concert. Mr. Morale, it's time to take a COVID test. Yeah.
vraiment pendant cette performance que j'ai réalisé à quel point tout la Corotel Arena était en feu. Tout le monde était debout dans les gradins, ça sautait, on faisait limite pas la différence entre la fin de la fosse et le début des gradins. Tout le monde chantait, bref, c'était hyper beau à voir, encore plus sur un morceau comme Alright. Juste après ça, la scène qui était devant moi commence à s'élever pour la performance des deux prochains titres. Bon, alors là, je voyais plus du tout Kendrick, mais on a fait en sorte de se mettre bien depuis en bas. La scène commence à redescendre et avant même qu'on ait le temps de comprendre ce qui se passe, il y a Baby Kim qui apparaît en mode full super vilain à l'autre bout de la scène et là s'ensuit un enchaînement mémorable. Juste après la deuxième partie de Range Brothers, il y a une pause qui dure franchement entre 2-3 minutes, c'était assez long. Kendrick Lamar et Baby Kim restent face à face sur la scène pendant tout ce temps-là et les gens commencent à péter un câble parce qu'on savait tous exactement ce qui allait se passer dans les secondes qui suivaient. C'est bien simple, c'est tout simplement l'heure du morceau le plus attendu du concert. Chaque fois que je regarde la vidéo, ça me fait le même effet, c'est un truc de fou. Baby Kim était en goblin mode, en train de courir partout, il criait dans son micro, c'était n'importe quoi. Non, vraiment, je peux mourir tranquille. J'ai vu Family Ties en live avec Kendrick et Baby Kim sur la même scène, juste devant moi. Honnêtement, non, j'ai tout vu. Évidemment, qui dit Family Ties dit climax du concert, et qui dit climax dit on se dirige petit à petit vers la fin. I got a new car, with hope. I got a new car, get over.
Caro, c'était incroyable. Elle a pleuré tout le long en fait. C'était incroyable, j'ai jamais vu ça, c'était légendaire. En vrai, potentiellement top 1. Top 1. Maintenant, faut essayer de sortir, essayer d'acheter du merch, ça peut être cool. Et on se retrouve quand j'aurai dormi en fait. Bon alors ça paraît évident, mais oui, ce concert était incroyable et oui, c'était le meilleur concert de ma vie. Là, on était vraiment sur un spectacle plus qu'un concert, tout le show était millimétré, ce qui explique pourquoi il n'y a pas forcément eu trop d'interaction avec le public, mais pour le coup, c'est pardonné. Je disais plutôt dans la vidéo que j'avais été déçu du concert de Kendrick en 2018, mais que je savais pas trop où me placer si c'était moi qui avais eu trop d'attentes vu que c'était mon premier concert, etc. Je pense qu'il y a une partie de moi qui avait quand même beaucoup trop d'attentes, mais après avoir assisté au Big Steppers Tour, je pense aussi que le show de 2018 était loin d'être parfait. Le show à l'époque avait duré 1h20, il avait performé Humble 3 fois, il n'y avait pas forcément de décor, c'était juste un écran d'air qui clignotait, donc rien de très fou. Enfin, c'était quand même fou parce que c'était Kendrick et qu'il a des sons incroyables et que ça marche forcément en concert. Mais là, quand je compare à ce qu'on a vécu pour le Big Steppers Tour, vraiment, ça a absolument rien à voir. Là, le show, il a duré quasiment 2 heures. Il y avait des danseurs et des danseuses qui ont fait un travail incroyable et qui ont été hyper mis en avant, donc j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Même Kendrick Lamar faisait partie de la chorégraphie, il connaissait vraiment son show à la perfection. Le fait de ramener Tana Leon et Baby Kim aussi, ça a permis une grosse immersion dans l'univers de Mr. Morale et de Big Steppers parce qu'ils en font entièrement partie. Kendrick Lamar aussi construit une vraie narration avec le concert, c'est un peu comme s'il avait ajouté à Mr. Morale et de Big Steppers d'autres titres de sa discographie. Mais le tout en gardant vraiment l'histoire qu'il veut raconter intacte. On sent vraiment un basculement d'ambiance et de thématique entre la première partie du concert et la deuxième, de la même façon que ça change entre le disque 1 et le disque 2 de Mr. Morale and the Big Steppers. D'ailleurs, je trouve que Baby Kim représente à merveille ce côté Big Steppers, c'est un peu le jumeau maléfique de Kendrick. C'est quelque chose qui m'a frappé notamment sur l'intro de Vent où il se faisait face à face avec un fond rouge qui clignotait, parce que ça faisait suite au moment où Kendrick Lamar était sur la scène élevé en mode rédemption, etc. Il était en train de performer les sons Mirror et Silent Hill qui font partie de Mr. Morale, et c'est comme si avec l'arrivée de Baby Kim on retombait dans The Big Steppers, c'était vraiment bien foutu. Alors ça paraît non, mais je trouve ça quand même important de souligner que sur cette tournée là Kendrick Lamar avait absolument pas de backing track, et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, surtout sur les sons vraiment techniques où on voit que Kendrick Lamar est un bon rappeur mais aussi un très bon performeur et qui connaît absolument bien ses textes. Je pense à des titres comme Worldwide Steppers ou encore Father Time qui ont des couplets assez longs et qui sont très très rap, et pourtant bah il a tout déballé d'un coup, et ça y a pas énormément de rappeurs qui le font encore aujourd'hui. On a aussi droit à un très beau panel de sa discographie, même si j'avoue ça fait 2 fois que j'attends qu'il performe ADHD et qu'il l'a jamais fait. Alors il y a eu plein de spéculations sur de potentielles surprises étant donné que c'était les 10 ans de Good Kid Mad City, que c'était l'anniversaire de Baby Kim. Mais en vrai, le show était tellement millimétré que ça aurait été quasiment impossible de caler une petite surprise comme ça. Puis en vrai, il y avait Kid Cudi dans la salle, moi je prends. Le public était vraiment trop chaud, ça connaissait les paroles, même des sons un peu interludes, etc. C'était vraiment impressionnant à voir. Je me suis éclaté de mon côté aussi grâce aux personnes qui étaient autour de moi, parce que je pense que quand t'es en fosse, les personnes qui t'entourent font aussi une grosse partie de ton concert. Bon, il y avait le mec Armoire qui a disparu en manche, je sais pas où il était, j'espère qu'il va bien. Mais non, c'est trop cool, il y avait Caro avec qui j'avais fait la queue, il y avait mon frère, il y avait Pablo, il y avait également derrière moi Margot et Thomas qui ont tout donné. D'ailleurs, c'est hyper triste parce que pendant Monitrise, il y a les caméras de Amazon Prime qui sont venues
se braquer littéralement sur nous. C'est sur le dernier couplet de la chanson où il y a Anna Wise qui chante, on a tout donné vraiment, toutes les paroles, etc. Et on apparaît même pas dans la rediff. Amazon, si vous passez par là, envoyez au moins les rushs. Non, plus sérieusement, au-delà du spectacle, je trouve que le public a grave aidé à rendre le moment autant mémorable. Je pense que ces 5 ans d'absence ont vraiment fait réaliser à tout le monde à quel point Kendrick Lamar est un artiste important dans la vie d'énormément de personnes, et il continue de l'être d'ailleurs. Mais il y avait vraiment une sorte d'effervescence dans la salle, comme si tout le monde était content de se retrouver alors que on se connaissait pas. Mais on avait tous ce point de référence qui était Kendrick Lamar et qu'on avait attendu pendant des années, et du coup, maintenant qu'il est là sous nos yeux, le moment était juste magique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu, encore une fois ça a été un plaisir de vous la préparer. Merci encore aux personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des vidéos, et je suis encore désolé de pas avoir pu caler tout le monde, mais je m'attendais vraiment pas à avoir autant de vidéos. Par contre j'ai pris le temps de toutes les regarder, donc j'ai revécu le concert 1000 fois dans des sièges différents. Non, vous m'avez vraiment régalé. D'ailleurs pour celles et ceux qui étaient sur place, que j'ai pu rencontrer, ça m'a fait trop plaisir de vous voir en vrai, de pouvoir échanger, prendre des photos, vraiment c'était trop cool. Vraiment ne changez rien, vous êtes les boss. On se retrouve très bientôt pour parler d'un artiste qui a fait beaucoup de bruit en 2022. D'ici là prenez soin de vous, soyez curieux, écoutez de la musique, et à la prochaine. Salut. Nigga, every time I call